Regardez-le là, ce dictateur. On accueille tout de suite. Regardez, il est là. Oh le vieux. Jean-Luc Mélenchon. Ah, je vais plus le défendre, hein, c'est bon. Vous savez que vous êtes très attendu ce soir. Ça arrive, hein. Il y a des semaines plus que d'autres, je crois. Vous allez revenir sur le tweet, sur l'affaire Quatennens, on va en parler longuement, on va vous poser toutes les questions. Mais d'abord, vous connaissez Gérard. Ah, bon. Oh, il a pas envie. Il a dit, c'est cher, il en a marre. Je vous présente. Non, mais au début, j'ai. Oh, la pauvre bête. Pourquoi vous la persécutez? Mais là, elle devrait être chez elle tranquille dans son panier. Il a engueulé le proprio du chien, après, basé son avis sur le chien. Il a un avis sur tout, vous, en fait. Déjà, il s'est mis rouve à dos. Instant. Ah, il a dit pourquoi tu ramènes ton chien ici. Ouais, ça, je vous reconnais ça. J'ai aussi une théorie souvent c'est sur vrai. Tout. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ouais. En tout cas, vous espérez la. Le regard. Attendez. Oh, vous avez vu le regard. Oh, il est pas content. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ouais. Regardez là. Regardez son regard. Man. Toi, je t'aime pas. Oh, il va l'enculer là. Ah ouais. Vous organisez une grande journée de mobilisation contre la vie chère et l'inaction climatique le 16 octobre prochain. Ce n'est pas un jeu. L'inflation dévore 6 à 10%, si on en croit le panier de France 2, du revenu des ménages. Dès que les clubs ont augmenté de 70 centimes en plus. Let's go. Ça veut dire que pour le... Et gros, un paquet de clubs, c'était 3,20€ dans les années 2000. C'est incroyable. 5€ en 2004 avec la première augmentation. Et c'est 11,20€ aujourd'hui. Pendant le même temps, des fortunes colossales s'accumulent. Et ça, c'est pas supportable. Tout le monde. Comment il faut réagir politiquement? Parce que vous êtes un vrai démocrate. C'est une manif. Mais c'est. Mais. Oh, il va lui dire que c'est la manif, c'est pas la démocratie, il va lui dire ça. Mais De Chavannes, ferme-la. Pourquoi tu dis ton avis, sale con, va. Oui, oui. Non, mais vous appelez les gens à aller dans la rue, vous savez que ça va être le chaos, en gros. Il a dit la police va éborgner des gens, ça va être de ta faute. Maintenant, c'est la rue et ça va se régler dans la rue. Est-ce que c'est pas dangereux, en fait? Est-ce que vous êtes. Mais il y a un droit de manifester, en fait. La marche, elle est déclarée à la préfecture, ça encadré, je veux dire, c'est quoi, tu veux interdire de manifester, De Chavannes? Mais c'est toi le fasciste. Pourquoi en fait il a mis des lunettes là comme ça pour dire ça? Et vous n'avez pas réfléchi un peu en vous disant quand même, on voit Trump, il a brisé un pays en deux alors que c'était l'American Dream. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, laissez parler un présentateur télé complètement gogol. Et vous avez ce résultat là. Trump qui a cassé l'Amérique en deux, l'American Dream. Et toi, tu vas faire une manif, donc t'es Trump et tu vas casser le pays? Quoi? Oh là là. Ils vont rouler sur l'Elysée, Mélenchon, j'ai raté un épisode. Attends, vas-y, fais prêt. On voit ce qui se passe au Brésil. Non, mais si on fait pause et que les pauses durent 25 secondes à chaque pause, je veux aller me coucher à une heure raisonnable. Je veux que t'expliques à quel point ça t'énerve, les pauses. C'est important pour moi. Vas-y, et là, on a un homme, vous, démocrate, qui aime la démocratie, qui est si fragile, surtout par exemple, à travers le monde. Et si jamais ce chaos est vraiment énorme et va jusqu'au bout, en plus, c'est pas vous qui en recevrez des bénéfices, vous le savez bien. Bon, moi je comprends ce que vous dites. C'est l'extrême droite qui va bénéficier d'une manifestation. Vous me dites, et je suis d'accord avec vous. Je suis pas politologue, hein, je suis citoyen. Hein. Je comprends. Et je comprends aussi l'idée qui est de dire, attention, ce pays est fragile. La démocratie est fragile. Oui, la démocratie. Il nous en reste? Non. Bah nul alors. Vous avez mille fois raison. Ouais. Hein. Je crois que vous ne vous êtes pas rendu compte que le chaos est déjà là. Le chaos est à l'hôpital. Le ah chaos oui. est à l'école. Le chaos est dans le chauffage. Le chaos est dans l'électricité. Le chaos est là. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous sommes pour être innombrables si on le peut dans la rue, pour qu'il soit clair que le message que j'ai à passer, j'aurais au moins essayé avec mes camarades de la NUPES. Nous ne serons pas laissés faire. C'est vraiment les plateaux de télé, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a Jean-Michel, présentateur télé des émissions les plus débiles, et il vient pour se payer Mélenchon. Mais non, mais on se fout de la gueule de qui, en fait? Ramenez quelqu'un de sérieux, je vous en supplie, le mec est complètement con. Il a dit les manifestations, c'est antidémocratique. Je ne peux pas ne pas vous poser une question sur l'actualité brûlante du moment, et c'est la guerre en Ukraine. Ouais. Encore la guerre en Ukraine. Ah, c'est toi qui crie, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui crie dans l'émission, j'étais matrixé. Non, il arrive. Et Vladimir Poutine qui joue l'escalade, il a annoncé la mobilisation de 300 000 hommes pour aller combattre en Ukraine. Il menace les Occidentaux de représailles sous toutes les formes, même nucléaires. Ah, c'est le moment, attends, je colle. C'est le moment où Jean-Luc va dire, bah oui, j'avais dit pour la centrale nucléaire de Zaporijja, et puis on m'a pas écouté, et ben le nucléaire c'est un danger en temps de guerre. Et ben voilà, donc j'avais raison. Oh non, ça va être cette réponse-là nulle. Oh non. J'ai pas vu l'émission, mais je colle. Les autres leaders également ont monté le ton face à Vladimir Poutine. Est-ce qu'ils ont raison? C'est une situation qui est totalement inacceptable. Si vous passez la frontière de ce bout qu'ils auront annexé, vous attaquez la Russie elle-même. Alors, on est donc à la porte d'une grande guerre. Il faut continuer à aider l'Ukraine, donc. Alors, évidemment. Est-ce qu'il faut continuer...
Putain, mais De Chavannes. Il est passé à faire un mec de Chavannes. Qu'est-ce qui vient nous casser les couilles? T'as pas une émission de gogol à faire avec random mec là complètement débile? Il fait quoi lui déjà comme émission maintenant? Il doit faire encore des jeux télé à la con. T'as pas attention aux 12 coups de du dimanche? Ah mais c'est grave en fait de Chavannes. T'as pas pourquoi vivement il vivement attention aux 12 coups de la marche? Non mais c'est horrible. Donc moi je fais attention depuis le début à tout ce que je dis. Pop. Y compris si je ne suis pas d'accord. Pardon? Je dis pop. On comprend pas. Pop. 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 J'ai dit pop. J'ai dit pop. Jean-Luc Hermann, c'est pour ça que tu es complètement con. C'est pour ça qu'il m'interrompt le gogol. Non mais attendez, mais il est complètement débile. Je veux dire, ramenez-le mais... ailleurs, allez, mettez-le dans une émission avec des abrutis. Je suis pas là pour. Si, mais je vois bien pourquoi vous êtes là. Vous... Oh, il lui a dit. Si, oui, j'ai compris que t'étais un saboteur, sale chien. Oh, il lui a dit, t'as envie de me casser les couilles. J'ai bien compris que t'étais venu pour te payer Mélenchon, pauvre con. Là. Moi, vous l'avez dit, je suis pas pondu de l'année. Hein, oui, non, ça je le sais. Vous n'êtes pas un perdreau de l'année, mais je suis juste un homme, moi, qui vit dans ce monde-là. Ouais. Moi, je vous ai vu dire quelque chose à propos de l'Ukraine, parce que j'aimerais bien savoir. Allez-y, dis, parce que je voudrais savoir où je peux vous. Si étrange. Je ne suis qu'un homme simple qui vit dans ce monde et qui observe comme tout bon citoyen. Moi, je ne suis personne, vous comprenez. Je vous pose une simple question de citoyen avec toute l'innocence d'un homme parfaitement observateur. Pop et... Vas-y, je te laisse la place. Gros, t'as entendu ça? Gros, c'est la première fois que je vois ça dans une émission télé. Je suis fasciné, en fait. C'est incroyable. De l'Ukraine, parce que j'aimerais bien savoir. Allez-y, où, parce que je voudrais savoir où je peux vous suivre. À quel moment je peux être pop. Derrière Jean-Luc Mélenchon en disant. Et pourquoi il l'a coupé pour dire ça? On peut pas croire, on peut pas dire pop à De Chavannes. Pop. Dès qu'on coupe, on va dire pop. Maman. Ah ouais, d'ouf, ça va être trop bien. Pop. J'ai dit pop. J'ai dit pop. Putain, oui, Jean-Luc Mélenchon, faut le suivre. Parce que regardez ce que vous avez dit sur l'Ukraine par rapport à ce soir. Mais il est présentateur de l'émission, en fait. C'est quoi ce délire? Il lance des magnétos, le mec. Attends. Mais ouais. Il est présentateur. Bah ouais. Il est présentateur avec la SAM, tout le monde le dit depuis tout à l'heure dans le chat. Tu lis pas? J'ai pas envie de les lire déjà. Et de deux, ils ont vraiment ramené ce gars comme présentateur. Ouais, je mange des miels pop. Non, c'est pas vrai, mais c'est drôle. D'amener des armes dans... Moi, j'aime bien pop, Smoke. Croyez-vous que l'Ukraine soit en état aujourd'hui de résister à la Russie? Tout le monde sait que non, que la guerre sur le terrain est perdue. Donc, où iraient toutes ces armes? C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. L'invasion de l'Ukraine a eu lieu à 5h du matin. À 7h du matin, j'ai pris position contre la Russie. Et depuis le début, je passe mon temps à me dire de par quel bout on attrape le problème. Oh, Jean-Paul Rouve, il s'emmerde. Oh, il est là, oh là là. Oh, on s'ennuie. Et mon chien, il a un foulard rouge. Pour pop, savoir pop. À quelles conditions la guerre s'arrête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parler avec Poutine? Non, mais ça veut dire parler avec Poutine? Non, il faut le bombarder et faire non, la guerre nucléaire. Je ne sais pas, je vous pose la. Vous allez voir Poutine, vous lui dites pop, la guerre en Ukraine, pop. Hein. C'est ça. Pop, pouce. Pouce, c'est comme quand tu jouais au jeu à la cour de récré, tu fais pouce. Sarkozy qui a eu la meilleure formule. Sarkozy dit ou c'est la diplomatie ou c'est la guerre générale. D'accord? Moi, je crois à la diplomatie. Et la diplomatie et un accord, c'est toujours avec l'ennemi, c'est pas avec ses amis. Il les a baisés. J'ai dit que la principale force dont nous disposerions, ce n'est pas seulement la résistance des Ukrainiens. La principale force, c'est la résistance des Russes. Je dis, nous ne faisons pas la guerre au peuple russe, nous la faisons à M. Poutine. Tout le monde le dit. Et aux oligarques. Tout le monde le dit. Pop! Pop! Pop Léa! Moi, je suis pas d'accord, tout le monde dit pas ça. Hein. Pop, hein. J'ai juste envie de react en disant pop des ça va être incroyable, c'est le meilleur react. Hein. Ouais. Juste fais une parenthèse, Jean-Paul Rouve, il y a quelques jours, vous avez dit cette phrase. Vous avez. Jean-Pop Rouve. Il dit quand on voit la gravité de la guerre en Ukraine. Pop. Ne lui demandez pas son avis. Là, il est pas en état de parler de la guerre. Il a son chien avec un foulard rose, là, avec son air de dandy, acteur, cynique, revenu de tout. Oui, ça parle, vas-y, bref. Moi, je suis content qu'il y ait l'Union Européenne et je suis content qu'il y ait l'OTAN aujourd'hui qui nous protège. Oui, je pense ça, oui. Mais pourquoi vous lui demandez? Je pense ça, je pense que... Ouais, j'ai un avis, ouais. Ouais. Ouais, j'ai un avis, ouais, pop. Eh ben, je préfère le rap à la pop, ouais. Et s'il n'y avait pas ça, ce serait... on pourrait se retrouver dans une situation qui est dans les années 30 avec... Quel est le nom du rappeur qui est décédé, tué pop, Smoke, j'ai déjà dit, la blague. Avec Hitler qui a envahi... je me suis transformé en deux chavannes mentales, tu sais, je me suis mis à dire des questions et tout. Qui a envahi l'Autriche. On va faire une blague sur l'auteur de BD Paul Pop, mais vous ne connaissez pas, donc c'est nul. Là déjà, l'Europe aurait dû réagir avant. Enfin, après, qui suis pour donner les sons, mais oui. Ah bah, regardez derrière son foulard, un instant de réalité. Un peu qui en suis-je. Pop conscience d'un coup là. Ah ouais. Et là, il s'est dit pop à moi-même là. Quand il a commencé à envahir la Crimée, je pense que là, il s'attendait pas à ce qui arrive. Tant mieux. Heureusement qu'on a tout ça. Heureusement, parce que là, ce serait vraiment la guerre. C'est un mec très dangereux.
Bah merci pour l'analyse géopolitique. Hashtag analyse. Hein. Moi je trouve. Eh, Poutine, je sais pas ce que t'en penses, mais ça c'est un peu. Plutôt méchant, ouais. Plutôt méchant, plutôt sombre, plutôt vénère. Après, est-ce que tu crois qu'ils ont le droit sur le champ de bataille ukrainien? Imagine, il y a des échanges de feux, il fait pop les gars. Je crois que ça marche, grand. Ça je crois. Pose, gros, hein. Non, mais ça c'est dans les lois de Genève. Hein. Mmh. C'est dans la convention de Genève. Si tu respectes pas le pop en temps de guerre, mais c'est très grave, c'est comme le gaz moutarde. Ils font des quicks pop. Alors là, celle-là. Pardon, Call of Duty a eu mon âme. Call of Duty a eu mon âme. Attends, attends, je prends une petite pause. Il faut que tu vois ce tweet. Petite pause, petite pause. Petite pause pop. Il a dit pop, Dany, pour me montrer un tweet. C'est quoi son pseudo? Oh, ça va être pratique. Oh, non. Ah bah c'est fini. Oh, ça va prendre 10 heures. Non. Oh là 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 là. C'est déjà un échec. Hein. Le pop est trop pop. Hein. Comment il s'appelle? Le mec était, oh, faut pas perdre de temps. Il va mettre 10 000 ans à trouver ce tweet. Oui, mais tu vas vraiment l'aimer. They will never understand. Ils ne comprendront jamais. Oh! Oh! Oui! Oui! Pop! Oh my god, you just did a fucking quad! You just did a fucking quad! Oh la 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 la! Oh la la! Quelle époque, hein. Oh, oh my god. Quelle époque. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Quelle époque. Rose des frissons. Ah oui. C'est beaucoup de temps, mais bon, voilà, bref. Rose des frissons. Pardon, excusez-moi. Magnifique. Mais c'était important de se rappeler que d'autres choses existent. C'est un dictateur. C'est un dictateur. Pas gentil, Poutine. Moi, j'ai une analyse. C'est que Poutine, quand même, eh ben, la guerre, pas bien. J'ai un foulard mal noué autour du cou. Mon avis est forcément important. Toi, t'es un acteur médiocre, du coup. Non, en vrai, j'aimais bien, mais là, je suis obligé de condamner. Bon. Non, peut-être pas acteur médiocre, mais avis politique médiocre. Là, j'ai le droit. Sûr. Là, c'est validé. Jean-Luc Mélenchon, l'émission s'appelle Quelle époque? Et on a Quelle envie de vous faire réagir sur l'époque et vous faire parler du futur. Question. On est d'accord qu'elle a dit on a envie de faire réagir sur l'époque. Sur l'époque, hein. Quelle époque? Et on a envie de vous faire réagir sur l'époque. Sur l'époque? Elle a valu le dire. Les pop et l'époque. Les personnes de couleur, c'est ça, l'époque? Et vous faire parler du futur. Question courte, réponse courte si vous le voulez bien. Dans le futur, est-ce qu'on boycottera la Coupe du Monde au Qatar? Oui. Je crois, ouais. C'est tellement immoral. Bon, tout le monde connaît le sort qui a été réservé aux ouvriers qui ont fait ça. Il y en a 6500 qui sont morts. Mais surtout, c'est qu'on est en pleine crise climatique. Mais ils sont fous. Mais on le savait. On va et on vient. Voilà. Ouais, mais on le savait. Pop, on le savait en fait. Hein, on va pas s'énerver maintenant. Ça y est, maintenant c'est parti. On va soutenir notre pays, la France. C'est bon, on le savait, c'est pas grave. Pop, hein. Je pop, smoke. Alors déjà, il y a des raisons sociales, il y a des raisons écologiques. Donc vous dire, moi, j'étais contre la Coupe du Monde de foot en Argentine quand il y avait la dictature, parce que pendant qu'ils jouaient au foot, on torturait nos potes. Eh bien là, je suis contre cette Coupe du Monde, et mes amis, j'ai vu que les parlementaires ont demandé le boycott, donc je suis d'accord avec le eux. Boycott. Dans le futur, est-ce non, Dani. Ah, si, là, ça y est, que vous irez toujours en vacances en Amérique latine, au Venezuela, en Colombie, comme cet été, où il faudra plus parce qu'il faudra plus prendre l'avion. Mais la prochaine fois, j'irai à la nage. Si quelqu'un veut bien. Bah voilà, on a la réponse. Oh, mais Rouve, mais le Xanax, il a pop un Xanax, il se sent mal. Non, mais je veux dire, c'est grotesque. Hein. Est-ce que vous êtes consciente du fait que c'est grotesque? J'irai en Amérique latine, peut-être comme l'a fait Jean Jaurès, en bateau, ça prend 21 jours, à la nage. Excuse du streamer Ozzy Event un peu. Genre je valide à moitié. Gros, il est allé en Amérique latine pour ses vacances. Plus lui, il les a mérités. Il passe son temps en train quand il bouge en France, contrairement à tous les hommes politiques macronistes qui prennent le jet pour aller voter. C'est pop sale. Je joue en pédalo si Monsieur Hollande veut bien me rendre le sien. Pas mal. Allez vieux. Voilà, il est trop fort, les gens. Dans le futur, est-ce que vous porterez, Jean-Luc Mélenchon, une robe et des talons? Parce qu'il n'y aura plus de gens. Est-ce que vous porterez, Jean-Luc Mélenchon, une robe et des talons? Parce qu'il n'y aura plus. Il a réagi comme Mamie Mélenchon, j'y crois un peu du coup. Mais il a réagi, tu trouves pas? De gens, oui, je vois. Il a réagi comme une queen un peu. Est-ce qu'il n'y aura plus de gens? On sera gender fluide. Et là, regardez, madame. Je te préviens, la séquence, il y a des gens, ça leur a pas plu. Ah, vas-y, alors vas-y, que vas-y. Moi, j'ai rien vu. Tellement basé. Amie Kidol,
Est-ce que vous pensez que ce sera ça? Il y aura plus de masculin, de féminin? Non, d'ailleurs, personne ne demande ça. Oui. Je crois que, soyons sérieux, les gens qui sont mal à l'aise dans leur genre souffrent beaucoup. C'est pas une mode. C'est comme... Alors, Cassandre, on souffre? Cassandre, viens défendre le vieux, là. Tu souffres ou quoi? L'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Moi, j'appartiens à la philosophie des Lumières et humaniste. Du Poppers? D'accord. Non, la personne humaine est auto... C'est elle-même qui se construit. Et sa liberté... Auto, elle-même qui se construit ? La liberté doit être totale. Le corps d'un homme et d'une femme appartient à l'homme et à la femme qui l'occupe, en quelque sorte. Attends, moi, je veux un avis. Avant l'avis de Cassandre, je veux déjà faire mon avis. Oui. Il vient en backup, là. Il vient en mode pop. Il vient défendre le vieux, là, je le sens, là. Regardez, il est moi, en embuscade, là. Transphobe. Regardez, il se met en mode sécurité. C'est la sécurité vas-y, trans. Vas-y, c'est parfait. C'est la trans-sécurité. Vas-y, on est prêt. Il doit en avoir pleine disposition, que ce soit selon sa conscience, sa morale ou sa religion, jusque à la question du genre. La liberté de genre choque quand on en parle. Mais les gens ont l'air, ne savent pas, c'est pas poser la question, mais elle existe. Vous pouvez changer de genre dans ce pays. Bien sûr. Mais c'est des toubis, c'est des juges qui le décident. Ça concernera un certain nombre de gens, mais ça n'est pas la caricature qui fait peur, qui est de dire « il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes ». D'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand quelqu'un change de genre, souvent il prend les traits les plus rudes du genre différent. Aïe, 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 aï
C'était basé, franchement. Les gens, c'était basé. Pardon. Trostini qui est toujours. Quel responsable politique qui n'est pas spécialisé sur les questions, parce que je vois venir de « Ah non mais je sais pas, Danilo Bono », non. Quel responsable politique qui n'est pas spécialisé sur ces questions a un discours aussi basé et philosophique sur le sujet ? Booba. Bah non. Pas du tout la bonne réponse. Ah mais il suce Booba en ce moment, du coup on se demande ce que ça veut dire. Oh, pop. Parce qu'il a dit « Oui ça va, on s'en fout du sujet », mais Booba il a dit « Ta coupe le sgeg des petits garçons ». Voilà, donc pop un peu. Donc, pop hein. Je sais qu'elle va vous plaire dans le futur. Est-ce que vous irez sur Mars avec Elon Musk dans sa fusée ? Pas dans sa fusée, j'irai avec la fusée européenne, qui est française d'ailleurs. Ou dans le flexeur. J'espère qu'ils prennent un gars de mon âge. Ça, je veux absolument y aller. L'espace, c'est quelque chose. J'étais là à découper les articles quand on a envoyé ce pauvre chien, Laïka, le premier qu'on a envoyé là. Il est peut-être revenu. Et puis après, c'était Gagarine. Mais les êtres humains ont toujours quitté leur biotope. Et quelqu'un m'a dit. Biopop ? Tu nous saoules avec ça. Il y a trop de problèmes sur Terre, ça coûte trop. Oui, vous êtes obsédé par l'espace. La première fois que j'en ai parlé, ils se moquaient tous de moi. Oui, Mélenchon, après, ok, d'accord. Pardon pour le réac, du coup, Mélenchon. Moi aussi, je continue de me moquer de toi un peu. Tu te rappelles, sur l'espace, on a été là. Oui, bon. Après, il est mignon, oui, le quand il a le droit d'avoir. J'espère qu'il prend quelqu'un de mon âge, je veux absolument y aller. Oui. Gros, c'est son rêve d'enfant. Sur son lit de mort, il regrettera de pas avoir pu aller dans l'espace. C'est beau quand même. Oui. Pop un peu. Bah oui. L'espace, tout ça. Vous prenez votre téléphone, 47 applications dépendent de l'espace. Depuis l'espace, on peut contrôler les cultures. Oh, comment il est parti en mode autiste ? 47 applications, mais lesquelles, pourquoi faire ? C'est mon intérêt spécifique. Taisez-vous. C'est son nièce. Mieux travailler sur le climat, non ? C'est fantastique. Allez, vive l'humanité, son intelligence. Vous avez vu Webb ? Oh ! James Webb, c'est nous les Français qui l'avons placé. On l'a tellement bien placé en orbite. C'est pas les Amerlots, c'est leur propre satellite. Ça vous passe. C'est pas les Amerlots, c'est nous. C'est la France. C'est nous, c'est la Allons, France. Enfants de la paprie. Bon, on n'a pas tout fait, mais on a presque tout fait. On a tout fait. Les colonies, c'est. Ah non, merde. Ah non, du coup. Oui. Tellement bien placé qu'on a gagné 20 ans de pilotage. Sur cet outil magnifique qui nous permet de voir le fond du monde. Vous avez changé parce qu'avant vous disiez toujours les États-Unis d'Amérique. Maintenant vous dites les Amerlots, c'est plus rigolo. Mais c'est parce qu'on m'a dit que c'était léger ce soir. Ah oui, oui. Ah bah oui. Il a pas dit, réjouis-toi, il a pas dit les Yankees. Ah le bâtard, il lui a dit ton émission elle est légère, mon ref. Ah ouais, d'ouf. Il a pas dit les Yankees, ça va. Ah bah, faire, d'ailleurs, ça se voit. Vous allez voir. Encore plus léger, je peux dire les gringos. Ouais. Dans un instant. Il a pris l'insulte de l'Amérique latine. Dans un instant, Jean-Luc Mélenchon, ça va être un peu moins léger, puisqu'on va aborder la question d'Adrien Quatennens. Mais d'abord. Ah, c'est pour ça qu'il a pris sa fusée pour partir du sujet. Oui, il a pris sa fusée, il s'est dit c'est bon. Oui. Je vais pop. Est-ce qu'il peut pop, Adrien Quatennens ? Oui. Il va faire. Et je suis là et à Paris. Et tu sais, il va disparaître là. C'est ça. Mais après, il faudrait peut-être dire pop les députés. Pop Adrien Quatennens, tu t'en vas. Ça serait peut-être pas mal de le pop, lui. Elle était bonne, votre blague, ce matin ? Elle a aimé Léa Salamé ? Ouais, j'ai aimé ses blagues, toutes ses blagues. Je suis très fan de Christophe de Chavannes. Oh, il a dû dire une blague sexiste le matin, il l'adore, le move technique. Il est arrivé là, il dit t'inquiète, j'ai écouté ta vanne sexiste pop, ce matin. Pop ta vanne. Tu vas pop toi aussi là ? Je vais te cancel sur Twitter, pop. De Chavannes, de quoi ma vanne ? Quoi ma vanne ? Ça, c'est vraiment les mecs, c'était le même des Spider-Man, c'est nous ça. Merci, salut. Toi, t'es misogyne, et toi aussi. Tu sais, vraiment, c'est nous ça. C'est les le Mexican stand-off de la misogynie. En fait. Ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait comme vanne ? Il a fait une vanne ce matin ? Mais où ? Je ne couche pas avec elle. Bah, t'en as refait une vague sexiste, tiens. T'en voulais une autre ? Bah, tiens, il y en a une nouvelle. Sur merci Flabber, merci Adirou. Regarde le sourire des enfers. Il est pas fake du tout. Hein. La réaction. Nikki adore. Hein. Moi je suis sûr Nikki elle aime le vieux. Merci Flabber. Je suis sûr que Nikki elle aime le vieux. Vous savez c'est quoi la blague ? Je sais de quoi il parle. Sur Europe 1, ils m'ont demandé comment vous avez fait pour avoir Jean-Luc Mélenchon et vous avez dit. Et vous avez dit quoi ? Elle a couché. Quel gros bouffe. Ah là, j'aime bien Léa Salamé, elle est quand même elle est partie le dénoncer. Elle l'a quand même balancé. La vanne. Elle l'a quand même balancé. Je l'avais oublié la vanne où tu as été une horrible ordure misogyne. J'avais oublié cette vanne. Oh la pop, l'exomile dans le chat, le flow pop. C'est parce que de Chavannes, pour faire taire Mélenchon, il a dit pop. Comme ça. Du coup, maintenant on dit pop. Oui, et du coup la pop, l'exomile. L'exomile, ça marche bien. Quoi. Ça marche bien la pop, l'exomile. Du coup, voilà. Ne nous en veux pas si un jour tu croises notre chat qui dit. Pop en te voyant, parce que du coup, sera, enfin, ça risque d'être lourd à porter, ce pseudo, à cause de la pop, l'exomile. Ouais. Pop.
Top. Ah, la vie. Je suis comme vous, vous voyez. Il y a des trucs dont je me souviens plus. Et elle, qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Elle a dit oui. Bah voilà. Et vous croyez pas que c'est un peu sexiste? Oh. Oh, il a dit pop. Là, il l'a popé, là. Il l'a hard pop, là. Il a dit Usul, oui, j'ai écouté tes 36-15 Usul, bon. Il y a 2-3 vannes, hein. T'imites l'accent pote d'Orient, alors. T'imites l'accent coréen, à un moment. Moi, je m'en rappelle, hein. Oui, oui, attention, Usul, hein. Allez, dis ça, Xarluc, merci. Merci, Xarluc. Pop, 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 pop. Il a dit pop. Gros, il se passe quoi? On a un nouveau train de la hype, là. Bah oui, mais c'est bien, ça va remettre 3 ans. Vous, non, mais justement, faites des dons de manière à ce qu'il dépop pas. Oui. Ah, tu ne veux plus de dons. Non, je concède pas. Il en a trop eu, regardez, il a honte un peu. Non, si je ne veux plus de blagues pop, pas ouf. Je veux que le pop soit utilisé. Allez, de manière go, pop. Pop. Putain, mais dès qu'on fait pop, pop, il y a un don. Merci, John Turok. On veut popper la vidéo. Pop. Ah oui. Attendez. Non. Volontiers. Pas tout de suite. Pas maintenant. Pas tout de suite. Soyez aussi irréprochable que moi. Non, donnez pas. Oula, ça s'est engrainé très vite. Hein. Ouais. Donnez pas des brevets, Jean-Luc Mélenchon. C'est celui qui en dit le plus qu'en fait le moins, hein, vous savez toujours. D'ailleurs, hein. Juste, rapide. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit. Ça, c'est vraiment la phrase des droitards. Oula. C'est celui qui en dit le plus qui en fait le moins. Ça, c'est un peu de chaval. Sous-entendu. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que lui, il en fait pas beaucoup. Donc, il fait plein de blagues. Ok, du coup, Mélenchon fait trop. Mélenchon, gros baiser, ouais, il paraît un peu. Rapidement, je vous montre une image. Gavelure, merci. Et quelle est la question merci que Gavelure. Vous poserez à cette personne, une personnalité, si vous l'aviez en face de vous, quelle question vous l'avez? Bah, je sais pas, on va voir. Lui, vous le connaissez? Chirac. C'est qui, lui? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Bah, si vous aviez Karl Marx. Je vois déjà les détournements glupatates possibles de ce même. De <ouf. rire> Tu mets une photo. Vous le connaissez, lui? Tu mets une photo de rage. Qu'est-ce que je suis en dire de lui? En castor à Disneyland. Incroyable. En face de vous, qu'est-ce que vous lui poserez comme question? Revenez vite, il faut expliquer à Roussel ce que c'est qu'une une assurance chômage et pourquoi c'est un acquis des travailleurs. Il a popé Roussel, là. Il lui a dit Roussel. Reprend des cours de marxisme. Pas mal. Booba. Alors, j'ai essayé de bien comprendre. J'ai l'impression que... Non, mais le personnage, il est de notre temps, quoi. Donc, plein de contradictions, plein de... Et j'ai eu l'impression qu'il était entré dans une forme de lutte anticapitaliste. Donc, je lui dis, écoutez, plutôt que d'envoyer les gens en meute, c'est pas toujours très au point, votre contre truc, Magali Berda, vous voulez dire? Ah, merci, oui, Ginny quoi, Boy. C'est pas bon de faire ça, c'est bon. Eh ben, ouais. Faites venir les gens c'est à la fait. Marche. Le 16 octobre contre la vie chère. Ça nous rendra service. Pas mal, hein. Paul il a dit canalise-toi, Booba, au lieu de. C'est bien, moi je suis d'accord après, avec lui. Il a raison. C'est rapi. Les rapis, il a dit les drapeaux pirates sont autorisés. Et puis à la fin, il a pris une photo de lui avec Magali Berda en disant ah bah non, quel bâtard, Booba. Moi je trouve ça cringe parce que personne a l'or et personne sait que faut pas rentrer dans le jeu là avec Booba. Non, Booba et Mélenchon, deux secondes. Parce que Booba, il va forcément se foutre de sa gueule. Ça va être cringe et Booba, il s'en bat les couilles de ça. Enfin, vraiment. C'est comme quand Mathilde Panot, elle l'avait fait en plus pour être anti-vax. Ouais, mais ça va, il s'en est bien tiré. Mais ouais, il s'en est bien tiré, mais cringe. Mais il a raison, ça sert à rien que tu t'en fasses un ennemi. Oui, ah bah ça, c'est sûr. Ça, merci, c'est sûr. Pierre Angelozov. J'ai une question de monsieur qui est à côté de moi. Quel est votre prénom, pardon? Vincent. Bruno. Quoi? Bruno qui me dit, c'est bien gentil ce petit jeu, mais il comprend pas. Vous avez couché avec Léa ou pas? Mais attends, j'ai l'impression d'être dans les années 90. Ça passe quoi là? Quelle époque? Genre vraiment, j'ai l'impression que c'est la télé il y a 20 ans et dès qu'il y a une meuf sur le plateau, et qui l'a baisé? Qui l'a baisé, hein? Oh, Léa, ça la met, hein. L'odeur. Oh, l'odeur. Pouf, Léa. Oui, il y a Soral qui va arriver sur le plateau, ça va être horrible, on va pas comprendre. Il va vendre allez, sociologie du dragueur. Royal. Si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi? Ah ouais, alors elle, comment elle... Non mais... Ah bah, alors, attends, oui, non, mais elle, attends, je sais ce que je voulais dire. Pop. Il a mis ses goûts, il a dit ah ouais, alors elle. Mais il l'aime trop. Attends, tu crois? Oui, tu vas voir. Comment t'as fait pour décider de me soutenir? C'est vrai qu'elle a une conscience politique qui est plus forte que tout le reste, en oubliant toutes les horreurs que j'ai pu dire sur elle à l'époque. Mais non, mais il faut voir, hein, je l'ai combattu, puis pas pour rire. Et cette femme, elle a dépassé tout ça en disant merci ce qui compte maintenant, c'est d'y arriver, il faut l'aider. Moi. Hein. Dernière question.
tu vois, il lui a fait un putain de compliment gros là, il vient de s'excuser à la télé en mode genre on est mis plein la gueule et elle m'a quand même soutenu. Hein. Ouais. Après la vérité. Sous-entendu suceuse quoi. Non, pardon. Non, sous-entendu. Après la vérité, tu sais pourquoi ? C'est juste parce qu'elle est tellement en somme contre le PS et vu que c'est lui le fossoyeur du PS, bah elle le soutient, tu vois. Après gros, les cadres de la fille, les insoumis, ils sursiment Ségolène Royal, c'est crimes gros. Bah oui. Ah bah, ça... il la sursime pas. Regarde vraiment. Le chat. Continuez la hype, bien sûr. Mon dernière personne, si vous aviez en face de vous cette personne-là, vous lui demanderiez quoi ? Elle. Cette personne-là en face de vous, là ? Moi ? Si vous aviez vous-même en face de vous. Hein ? Mais... bah, hein ? Le philosophe. Je dirais pas le philosophe. Pardon ? Parce que j'entends mal, mon grand. Et bah, c'est vrai qu'il entend mal. Mais moi, j'ai pas entendu. Normalement, le philosophe, il a une réponse qui est toute prête. Vous retournez, vous voyez dans le miroir. Attends, mais c'est Zawa Show quoi, je comprends rien. Rien, oui, y a pas le public. Y a les gens qui rigolent. On dirait Zawa Show, c'est cringe, j'étais là, oui. Pop ou quoi ? Pop. Normalement, le philosophe, il a une réponse qui est toute prête. Vous retournez, vous voyez dans le miroir. Un certain nombre de gens comprennent. Qu'est-ce que vous dites ? Voilà mon pire ennemi. C'est vrai qu'on est pour soi-même son pire ennemi souvent dans la vie. Moi, je me dis, ça va, ça progresse sur le haut des pecs. Moi, j'ai pas les mêmes réactions. Je rigole. Mais je rigole. Il essaie de faire de la philo et voilà ta réaction. Oh, mais parce que c'est trop facile, la fausse humilité, là aussi. Là. Oui, je me vois dans le miroir, je suis mon pire ennemi. Ok, Sasuke. Ok, Sasuke. Il a dit au Camari de Suzuki. Et que c'est avec soi qu'on a les plus grosses empoignades. C'est d'ailleurs pour... Merci, Xaloc40. Ah, moi, j'ai des empoignades avec moi. C'est. Attempte LeBron James. Oh putain, cette blague. Tu te pop tranquillement. Tu te pop la queue. Ah ouais. Pas de temps à autre, il y en a qui ont besoin de lui. Lui là. Le prêtre. Ouais. Et d'autres comme moi, bah, on fait comme on peut, hein, on se débrouille. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Bon, tu peux pas faire il mieux. Se Danny le ras. Tu drôle. Peux pas. Il se Danny le ras, c'est un peu. C'est vrai que ça devient une expression. Genre, ce qui ferait que dans un ou deux siècles. Les gens disent « Ah, je vais me Danny le ras, tu vois, en notre hommage. » Tu sais, genre, ça serait un truc turbo, déformé, bizarre, les gens ne sauront plus d'où ça vient. C'est-à-dire que leur queue, c'est moi, quoi. Bah ouais. Non, mais ça serait une expression populaire. Ça te va bien d'être le mot branlette, toi. Ouais. Ouais, je suis content. Je suis content. Bah ouais. Tu l'as dit de la manière la plus stupide. 84% pop. Oh là là. Faire mieux, est-ce que tu peux pas tweeter mieux ? C'est la question que je vais vous poser. Ah. On en vient à l'actualité de la semaine et à votre lieutenant Adrien Quatennens qui a donc reconnu Jean-Luc Mélenchon, c'est sérieux, avoir eu des gestes violents envers son épouse. Votre réaction, Jean-Luc Mélenchon, a été ce tweet qui a suscité un torrent de critiques. Dimanche, 11h57. Pop, en fait, le tweet, hein. Je l'ai vu trop souvent, ce mauvais tweet. Ah ouais, il est nul. Putain, c'est gros, vraiment... il a 5000 likes. Après, le tweet. Hein. Quelle catastrophe. Le pire tweet. Gros, le nombre de tweets cités. Toutes les réponses du tweet, le ratio. Ah ouais. Vraiment, c'est vraiment la disaster class. Ah ouais, ultime, quel désastre. Ce tweet, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, hein ? Qui, dans leur groupe WhatsApp divorce de putain de premier cercle, leur a dit ferme-la ? Comment personne a pu lui dire ta gueule, ne tweet pas ça ? Merci les gens pour le soutien, évidemment. Merci beaucoup. Vraiment, vous régalez. Merci les gens, merci beaucoup. Ce premier tweet. A été suivi d'un second tweet, dimanche 14h59. Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée, mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien. Ma question est simple. Saluer le courage et la dignité d'un homme qui vient de reconnaître qu'il a giflé sa femme. Oui, c'est une erreur. Bah, oui. Vous trouvez que c'était les bons mots à choisir. Est-ce que vous regrettez ce tweet, Jean-Luc Mélenchon ? Mais... Bon, tout le monde peut faire mieux. Oui. Bon, continue, oui. Continue, on va voir la suite. Moi aussi. Mais je crois pas que ce soit ça le problème. Elisabeth Borne a dit « C'est extrêmement choquant d'avoir quelqu'un qui banalise ainsi les violences intrafamiliales comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon. » Voilà. C'est... Darmanin. Ouais, non mais c'est juste pour rappeler. Moi hein. Je suis d'accord que de se prendre la leçon par LR. Ouais, mais il n'y a pas que de faire la leçon sur le sujet, le vieux. Hein Darmanin. Mais oui. Non mais on va voir comment il y vient. Oui, mais oui. Darmanin. Et c'est évidemment très dur à entendre pour moi parce que ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais... Tout le monde va pouvoir être mis au pied du mur. Depuis 2018, tous les ans, nous déposons un amendement au budget pour que ce que les associations féminines proposent, à savoir 1 milliard pour la lutte contre les violences, soit adopté. Bah alors, voilà. Là, ils vont avoir l'occasion de montrer qu'ils ont compris et qu'ils ne se contentent pas de mettre en cause un tweet, ils prennent des mesures effectives. Tout, maintenant. C'est trop bizarre. Attendez, juste, on est d'accord que le plateau, on entend des bruits, non, on entend pourquoi des gens Nikki qui marchent. Pourquoi Nikki Doll, elle a bougé de plus. Des gens se déplacent pour pisser. C'est Zawa Show, le bordel. C'est un live stream à parole d'honneur. C'est un live d'Annie Eras. C'est un plateau France 2. De ouf. Qu'est-ce qui se passe? Là, dans 2 secondes, les micros vont saturer. C'est incroyable. Genre, la séquence est bizarre, du coup.
qui ont été indignés. Parce que je préfère un excès d'indignation qu'un excès d'indifférence ou quelque chose qui tient au virilisme que j'ai connu dans ma jeunesse parce que les esprits n'étaient pas aussi ouverts. Donc, pour ma part, je ne suis pas d'accord pour que les mains courantes passent dans le public. Qui veulent aller faire une main courante savent dorénavant. On te parle de ton tweet de keuk, dis-le que c'est un tweet de keuk. Je décide, parce qu'on me l'a appris, parce qu'on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire, que je respecterai jusqu'au bout sa volonté de ne pas être impliqué dans le débat qui entoure aujourd'hui Adrien Quatennens. Il leur a dit « Je respecte la parole des victimes ». Ouais, mais c'est... Oui. J'ai respecté ça. Encore la relève, je suis d'accord avec lui. Oh, vas-y. C'est que... Attends, mais... Ah oui, ban les gens qui disent Ruffin. Ruffin, vite. Ruffin, il va avoir une accusation de viol dans 2 semaines. Mais vous oui, allez pas oh là là. La dernière fois, vous étiez là. Quatennens, le soldat moine, le soldat Quatennens, c'est sûr, il est parfait, Quatennens. Bon. Ruffin, il suce les flics, il aime pas les arabes, fermez-la. Quatennens, regardez Quatennens avec une barbe, il est sexy. Non, ça c'était nous, ça. Oh là là. Arrêtez avec Ruffin, vous vous fatiguez. Hein. On avait dit de toute façon soit Adrien Quatennens, soit Mathieu Panot. Non, c'est Mathieu Panot. Une gifle n'est pas acceptable, nous le savons. Aucune violence. Censure le... Censure, pop oui. Pourquoi vous dites pas simplement c'était j'ai pas choisi les bons mots? Pourquoi vous dites pas oui? Oui. Je suis d'accord. Écoute Léa Salamé. Léa. Écoute Léa Bazège Salamé. Il y a Léa Salamé et Mélenchon, c'est la première fois de ma vie je que dire, je dis oui, Léa. Alors, dis-le, le normalement, vieux. C'est l'inverse. Reconnais-le. C'est l'habitude. J'ai dit non, Léa. Oui, Mélenchon. Qu'est-ce qui se passe là? Ce qui a choqué beaucoup de gens, alors, beaucoup de femmes, oui, oui. De dire qu'ils ont l'impression que vous avez sous-estimé. Oui. Oh, les bonnes femmes. Oh, les bonnes femmes, elles me fatiguent. Oh, les bonnes meufs, là. Oh, la bonne. Ça va, 5 minutes aussi. Oui, voilà, on connaît les rumeurs. Bon, il a juste attrapé par la main. Il y avait une tendinite. Non, c'est pas ça. Ah non, ça c'est, je confonds les affaires. Oui. Comme si elle, comme si elle avait dit, j'ai volé un bonbon, un bonbon. J'ai pas volé un bonbon. Non. C'est odieux. Mais pourquoi vous c'est dites Non. Honnêtement, je suis pas sur un ton odieuse. Je ne suis pas là pour. Pour le coup, je trouve que c'est ça, si odieux, ça va. Odieux. Là, tu forces Léa Salamé. Elle a déjà essayé de te comment. Elle a laissé Turbo parler. Tout. Franchement, ouais. Elle a déjà essayé de le coincer. T'as juste à dire, j'ai fait un tweet de merde, mais. Et dire ce que t'as dit avant. Et dire après, est-ce que ça se fait? Il y a la main courante, la graduation. Il veut pas se commencer par s'excuser. Oui. Pourquoi vous dites pas tout simplement, et tout le monde le comprendrait, c'était mon lieutenant. Ce n'est pas mon lieutenant. Et j'ai tweeté, c'est mon ami. Non, c'est votre un jeune pop. Homme qui vient de... C'est un jeune homme extraordinaire. Votre pop. Il va dire jeune homme extraordinaire. Il va dire jeune homme extraordinaire. Simplement, et tout le monde va dire jeune homme extraordinaire. C'était mon lieutenant. Il va dire jeune homme extraordinaire. C'est un jeune homme qui vient de... C'est un jeune homme extraordinaire. Il a dit non, c'est pas mon pote, c'est un jeune homme extraordinaire. Pop. On lui dit tu défends tes potes là. Pop. Tes vieux potes là, poubelle. emoji trash. Oh mais non, mais il le répond, vieux, non, il est arrête. Arrête, le vieux, arrête. Mais premièrement brillant. Vous ne pouvez pas m'interdire de l'aimer. Dani Caligula. Sur 20. Oui. Dani, on rappelle que Dani a défendu Antoine Allez, Daniel en disant je crois mes potes. Hein. Oui. Et on est cancel à cause de ça. Et aujourd'hui les mêmes issues Antoine Daniel. Bon bref, on va pas revenir dessus 10 fois. Ouais, et puis quelle moi ironie. Je me suis dit ah merde, oh, est-ce que j'ai conscientisé des trucs ce jour-là? Parti. Bien fait pour toi. Oh, ça va pas, jamais. Personne ne dit ça. Excusez-moi. Personne ne dit non, ça. Non, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de juger d'après des principes stables et constants? Allez, je le dis encore une fois. Pardon. Je préfère qu'on ait trop d'indignation, y compris contre moi, que moins. Mais je vais vous dire une chose. Ma parole est contrainte. Je suis son ami à elle aussi. Je respecte sa parole à elle et à ce que lui dit. Dans mon tweet, je dis, il prend tout sur lui. Et il décide, lui, de se retirer. C'est pour ça que nous sommes mal à l'aise. Vous êtes un homme d'État. Nous ne savons plus quoi dire. Nous ne savons plus quoi faire. C'est un de nos plus brillants porte-parole. Vous êtes en total décalage. De savoir excusez-moi, ce que mais si, parce que vous la sentez, la société. Et vous, attends, et... C'est lui qui dit qu'il est en décalage avec la société, là, Christophe Après, de je vois ce qu'il dit quand il mais dit oui, vous devez bien sentir sûr. La société. Il a un peu vous n'avez pas l'air de la sentir, là. Quoi? Quand je vous lis, je me dis, merde, il est décalé. Ouais. Aujourd'hui en 2022, un homme d'État qui peut-être en plus peut se représenter dans 4 ou 5 ans, peu importe. Est-ce qu'il n'est pas déconnecté, peu importe vos sentiments mais forts non. Et votre puissance, est-ce qu'il n'est pas déconnecté de la société en disant quelque chose qui n'est pas audible? Bah...
Mais enfin, ça n'est pas en connexion avec la société, c'est inacceptable. Céline a probablement trompé Adrien, ce qui explique trois quarts de la situation. Mais toi, mais tu gifles les mecs. Une gifle, mais toi, en fait. Oui, c'est ça de ouf. Vas-y, mets une gifle. Tu mérites une immense gifle, t'es giflé. Mais t'es c'est giflé quoi cet avis, cet avis désastreux. Donc toi, si ta meuf te trompe, tu dis j'ai le droit de la taper. Non, mais c'est les filles, hein. Pop la France insoumise, hein. Pop les militants filles, au secours. Hein. Allez vous faire enculer. Hein. Quoi. Si vous n'acceptez pas l'idée qu'il y a une gradation, je dis il prend tout sur lui. C'est-à-dire qu'il y a un divorce, ma parole est contrainte. Je dis une chose, mais il s'est retiré, il reconnaît sa faute. Si vous frappez quelqu'un qui reconnaît une faute, mais plus personne ne reconnaîtra jamais rien si vous le faites comme ça. Oui, mais c'est... Mais c'est... Qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas ça le problème. C'est digne et courageux. T'avais pas besoin d'en rajouter pour lui sucer la bite, justement, parce qu'il a avoué, mais... En plus, il y a deux choses pour nuancer un peu. Je comprends ce qu'il est en train de dire, c'est je suis avec les deux me disent, parle pas de ça. Je comprends, il est au centre du truc, c'est son pote, comme on l'a vu dans la vidéo d'Usul avec la nana sur Mediapart, j'ai perdu son nom. Mais qui disait c'est dur quand tu dois quand c'était proche quand ok tout ça on est d'accord et ça à la limite je veux bien comprendre limite, tweet pas en qui fait dit ça je veux bien comprendre qui dit ça mais déjà gros dit oui mon tweet était maladroit au moins oui on te demande que ça et on te défendrait le vieux t'aurait dit mon tweet était maladroit et après, t'aurais défendu dit, ouais je veux pas prendre parti parce que voilà mais je suis ami avec les deux là je t'aurais défendu oui. Mais il y a un ordre aux choses là oui c'est mal dit tu recommences oh non Jean-Luc Je comprends qu'on dise non, tu dois intervenir pour le montrer du doigt. Je pense que c'est une erreur. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Bah, le deuxième tweet à la place du premier. Mais... Attends, il a dit que celui qui n'a jamais mis une grosse baffe nous jette la première pierre, c'est ça qu'il vient de dire ou pas? Non? C'est un peu ça moi que j'ai entendu, non? Non? Mais, non mais, attendez... La France entière se mêle du divorce d'Adrien et Céline Quatennens. Non mais c'est pas ça. Mais Mélenchon c'était déjà sorti en fait. C'était déjà sur la place publique, ça y est. Faut couper c'était live, trop tard. Mélenchon, là. Oui, fallait cut. Live. T'as déjà fait un gros train de live, pourquoi t'insistes? Si je peux me permettre, j'ai vécu les violences intrafamiliales. Face à des accusations et au fait qu'il ait reconnu les faits, le soutien doit être plus vers la victime que l'agresseur. Et en fait, en ayant cette façon de penser, on minimise. Et donc nous, quand on est victime, eh ben, moi-même, j'ai minimisé ce qui nous arrivait. Et je pense que vous, en tant qu'homme d'État, vous avez cette responsabilité de faire attention, en fait, tout simplement, et de prendre ça en compte. Alors... Là, il va se calmer, j'en suis sûr, parce que moi, on m'a beaucoup dit un truc sur le vieux, c'est qu'il s'énerve, et dès qu'il y a quelqu'un qui lui parle de son histoire personnelle, ça devient basé d'un coup. Donc là, la règle Mélenchon... Attends, il va devenir basé, là. Il va devenir basé d'un coup, là. Putain, il est fimental, toi. Pop, pop. Allez, mais play. Le mec fait un suspense là-dessus. C'est pour ça, madame, si vous permettez, que j'ai dit que je préfère un excès d'indignation. J'accepte qu'on me critique, j'accepte même que des gens me condamnent. Parce que je préfère ça que l'indifférence. Te demande pas ton avis sur ce que t'acceptes ou pas, on te demande juste de dire quel tweet. Bon, c'est limite moins mais pire. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on doit défendre un certain nombre de principes. Ils n'ont pas l'air de paraître importants. Là où vous avez raison, et que ça doit être dit, c'est vrai qu'il y a un continuum dans les violences, c'est vrai. Et bien sûr qu'il faut le stopper, mais il y a aussi une gradation dans les peines que l'on attribue aux gens. Genre rien que le fait que... Quand elle veut le quitter, il lui vole son téléphone, il lui envoie des centaines de messages. Ah ouais. Genre, il l'attrape, il essaie de la retenir et tout. Enfin, ouvre les yeux, Méluche. Il a tout du profil du mec qui fait des dingueries. Au moins. Toute la France se mêle de son divorce. Alors même que sa femme dit, foutez-nous la paix, laissez la justice décider. Nous devons condamner toutes les violences. Nous l'avons tous fait. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Et nous devons faire ensuite attention à ce que nous faisons. Quand on n'en a rien à faire. Moi, je comprends son discours, mais il est inaudible dans ce contexte. Parce qu'en soi, il a un discours un peu cool. Oui, oui, oui. Genre, c'est un peu important. Mais il avait juste dit, à gens. Dire qu'il s'est raté sur son tweet parce qu'il est trop impliqué, quoi. Parce que tout ce qu'il dit en soi, il a raison de dire eh, ça va, faut aussi. Enfin, il y a clairement, ça se voit les gens qu'il y a une manipulation politique vraiment aussi. Ça ne peut de... pas venir en premier bon, argument. Mais voilà, il faut d'abord dire ouais, mon tweet maladroit, c'est tout ce qu'on lui reproche. Oui, une lui a... phrase. Parce qu'après, on est des insoumis mentaux, on sera là pour dire bah oui, regardez, et on a les arguments de dire et les autres, ils font quoi, et nanana, et puis à gauche, on les a, les arguments, on les a déjà dit. Mais là, pop! Pop Mélenchon. Genre juste, tu disais, oui, j'ai pop. J'ai pop dans ma Pardon merde. Pardon pour le pop. Elle, Céline, alors vous dites madame la victime. J'entends, hein, j'entends parfaitement. J'accepte parfaitement l'idée que vous la considériez comme une victime. Sauf que c'est pas sûr qu'elle-même se vive comme ça. Mais c'est ça le problème, parfois. Ah oui, mais le problème, c'est...
Il est con. Putain. Il est complètement con. Oh. Il a pété un câble. C'est il a pété un câble. C'est une catastrophe. C'est catastrophique de A à Z. Je me sens mal, limite. C'est un désastre. Et les gens qui ont un peu d'expérience, ils entendent les deux éléments. Premier élément, ce que vous venez de dire. Attention, il faut être capable de nommer les choses et d'en assumer la gravité. Pas de les cacher, de mais dire bah non, c'était une gifle comme ça. Et la deuxième chose. Mais justement, c'est ce qu'on a dit. Regarde notre vidéo, Mélenchon. Franchement, faut qu'ils nous prennent comme équivocation de crise. Ce qu'on en fait. A dit, c'est que à la appelle-nous, limite, donne-nous 5000 balles par mois, on gère tes crises mieux que regardez toi. Regardez en fait. Le best-of. On a dit, à la limite, le move d'Adrien Quatennens, le fait de reconnaître, c'était vraiment limite un bon pas. Bien sûr que les gens allaient quand même s'énerver et tout parce qu'il y a une baffe, mais ils reconnaissaient les faits et c'est rare dans le monde. Et ça aurait, je pense que ça aurait pu être plus souligné et plus défendable. Le problème, c'est ton tweet. C'est ça qui a foutu la merde, Meluche. Vous pensez que j'ai commis une erreur ? J'accepte votre jugement. J'accepte les critiques qui me sont faites. Je demande qu'on leur foute la paix. Et qu'ils puissent divorcer et que le juge se prononce. Si vous sortez de ça, si vous entrez dans la loi de la rumeur et de l'accusation et de la stigmatisation... Il a convaincu Niki là-dessus. Mais il n'avait enfin, qu'à dit... commencer par ça. Et tu sais que moi, en fait, il crée les problèmes en disant ça seconde une. Tu sais que l'horreur, c'est que sur Twitter, il n'y a que cet extrême. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il a l'air d'avoir été basé, le vieux. Je il, avait sorti, il sortait ça seconde une, je prends vos trucs d'accord, maintenant, foutez-leur là. Genre, oui. C'était, il y avait juste ça à faire. Enlève les 20 minutes avant. Mais c'est vrai que tu vois, en fait, ça, là, du coup, c'est toutes les hypothèses qu'on avait sont vraies. Ah ouais. Il est têtu, il est d'une autre génération, il comprend pas la faute et il voit ça comme un piège politique. Et il a raison, c'en est en partie. Et du coup, ça le rend tête de con. Après, je pense que la seule chose qui manquait, en fait, c'est que violence conjugale, il y a eu, gifle a été donnée. Et en fait, il manquait légèrement de compassion pour la victime. On parle de l'homme, on parle de ses bons côtés et on parle de... La tristesse de la situation, mais il y a une femme qui s'est fait gifler. Et on n'en parle pas assez. Je pense que c'est la seule chose, c'est qu'il manquait légèrement de compassion pour la victime. Putain, mais elle est gentille avec toi, Niki, en plus. T'as vu, genre, elle l'enfonce même pas en mode, mais mon ref, genre, tout ce que tu dis, je veux bien l'entendre. Ton tweet était juste. T'avais juste à faire un tweet qui était pas nul à chier. Si je disais un mot de trop, c'est elle qui aurait pu me dire de quoi tu te mêles. Je t'ai rien demandé. On me parle que de ça depuis une semaine. Avant, c'était autre chose. Vous savez au combienième crise j'en suis pour un mot, un demi-tweet, un... Non, mais c'est ça le problème. C'est ce que t'avais dit, gros. Et oui. C'est que la FI, c'est des maîtres sauciers. À force d'être dans c'est la ça. Sauce, ils n'identifient plus quand il y a une sauce où dans laquelle ils ont fait un peu de la merde, en fait. Ouais. Pendant 8 mois, tous les jours, on a passé sur une chaîne de télé, moi en train de crier, sur un policier. 8 mois, tous les jours. J'ai été soumis comme ça à... Vous avez vu ce type elle aime trop, elle dit oui à trop de trucs, tu sens qu'elle est comme nous. Est-ce bah oui, non, parce que moi je comprends ce qu'il dit, la raison sur le reste. Que vas-y, il y a un contexte, il y a machin. Appelle-nous Mélenchon pour gérer on ça. On fait les bâtards, les gens ils respectent pas l'intimité, ça je veux vraiment le croire que les Quatennens ils en peuvent plus quoi. Ça je vraiment, ça je veux bien mais le croire. Ça y est, c'était public, que c'est une manipulation gérer, politique trop tard, et tout. En mais fait. Là c'est ton tweet qui a foutu la merde, c'est pas justement. Limite en plus, l'angle qu'il aurait pu prendre, c'est dire Adrien Quatennens a une réaction plus ou moins exemplaire par rapport à sa faute et c'est moi qui ai merdé. Tu sais, il aurait pu le défendre comme ça en disant « C'est horrible ce qu'on lui fait subir à cause de mon tweet de merde. » Depuis 8 jours, impossible d'appeler à la marche, impossible de parler de la marche du 16 octobre. Chaque fois que je passe, puis alors, c'est peut-être sur 100 mètres dans la rue, hein, des journalistes avec un micro à moitié enfoncé dans ma bouche. Et après, vous leur faites des petites... c'était pas très heureux, ça. Mais vous étiez fâché. Combien ce soir ou... Non, je sais pas. Vous étiez fâché. Vous étiez fâché, bon, allez. Vous êtes retenu. Écoutez, tente là, non, je n'avais nullement l'intention. C'est ce que j'ai vu sur le visage de l'homme que vous êtes. Il me dit, etc. Après, vous voyez, c'est là où les médias, quand même, ils mettent la petite séquence. Ah, vous avez voulu le gifler. Tout est horrible, ton tweet de merde. Oui. J'accepte et votre critique et votre condamnation. Je vous demande d'accepter mes raisons. C'est on les entend. Pas de transfert sans l'accord de la femme. Et quand la femme dit, merci. Foutez-moi la paix, tu l'as dit 100 fois. C'est pas à vous de juger si vous allez parler à sa place. J'accepte tout le reste. Ok. Ok, je vois. Non, mais c'est. Inaudible. En fait, il y a eu plein de trucs qu'il a non, dit. Non, mais il y a des trucs qu'on est d'accord. Mais vu qu'il veut pas reconnaître qu'il a fait de la D et qu'il s'est planté au début de sa communication, il s'embourbe, quoi.
Il était très létarisant, je trouve, Mélenchon, en fait. Là, il a, pour moi, il a justifié sa pire game de LOL en disant que c'était de la faute des autres. Self-awareness. L'État sera en oh, oui, c'est en rigolant un peu. Ah, sur une game de LOL, il pourrait être aussi de mauvaise foi. Sur une game de LOL, ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est une game de LOL, c'est quand même moins grave. C'est ça. Le numéro 1 de la gauche. C'est ça. Non ? Putain, moi j'ai vu que les extraits, en gros il y a que le truc à la fin et le truc où il dit j'accepte mes erreurs, et il est très très bon leur Seb là pour le coup. Oui, il a bien rattrapé. Très bon oui. Choix d'extrait, parce que moi j'ai vu les extraits, je me suis dit ah ça va, il s'est bien rattrapé, je l'ai dit tout à l'heure pour un truc du Zul. Oh putain, j'ai honte maintenant. Comment j'ai honte. J'ai dit, en plus je crois que j'ai dit avant, j'ai pas vu les missions encore, donc peut-être. Mais alors en général je dis ça par simple précaution, mais alors là putain, ma simple précaution elle a servi à quelque chose. Hein. Disaster class. Hein. Non mais écoutez les amis, bah c'est ouais, dur hein. C'est dur là. Dur mais bon, bon. Bah j'espère qu'il va s'en remettre le vieux, on a besoin de lui encore pour l'instant. Bah ouais, bon bah du coup faut voter une femme hein, comme en Italie, non?